Chaque année, on rapporte une centaine de meurtres au Québec. Certains sont commis par des gens au-dessus de tout soupçon. Leurs proches n'ont rien vu venir et ils n'arrivent pas à y croire. Est-ce qu'il s'est donné le rôle de protecteur en posant son geste? Peut-être. Il y a certainement ce sentiment de protection face aux membres de sa famille qui a dû naître. Personnellement, je vois l'individu comme plus dangereux que quelqu'un qui l'a fait de 100 fois. Parce que quelqu'un qui perd le contrôle est beaucoup plus imprévisible. Tu sais pas quand est-ce qu'il va perdre le contrôle. C'est l'idée de est-ce que j'aurais été trahi par une personne en qui j'ai confiance. Le samedi 25 juillet 2009, Patrick Bélanger, 26 ans, se rend chez son voisin et ami Leonard Wells, un homme de 63 ans, pour l'aider à déménager. Patrick Bélanger, c'est un jeune homme qui n'avait pas d'antécédent judiciaire, mais il avait de graves problèmes d'alcool et de drogue. C'est un gars dont la vie allait nulle part, finalement. Puis, il vivait dans le même immeuble que Leonard Wells. Wells, leur amitié était un peu basée sur leur consommation d'alcool respective. Wells achetait de l'alcool à Bélanger, puis c'était une façon de le fréquenter régulièrement. Cette journée-là, Bélanger a déjà consommé une grande quantité de bière. Et même s'il parvient à remplir les boîtes de déménagement de Leonard, son esprit est embrouillé par l'alcool. Fatigué, Patrick Bélanger décide de prendre une pause. C'est alors qu'il découvrira un terrible secret qui changera le cours de son existence. Patrick Bélanger et Leonard Wells sont voisins dans un immeuble de la rue Descaries à Montréal. Les appartements sont loués au mois et les loyers sont modestes. Les deux hommes font rapidement connaissance, mais se gardent de parler des chemins qu'ils ont parcourus avant de se retrouver dans le même édifice. Patrick Bélanger voit le jour le 25 août 1982 à Montréal. Il n'a que quelques mois lorsque sa famille déménage à l'extérieur de la ville. Le père de Bélanger est aux prises avec les séquelles d'une agression sexuelle subie lorsqu'il était jeune. Chez les victimes de pédophilie, c'est très variable la réaction des jeunes. Ça peut avoir un effet qui est très maganant, avec lequel ils sont pris toute leur vie, qui a une influence sur leur capacité affective, qui va les suivre pendant toute leur vie. Patrick Bélanger est à la fois victime des traumatismes vécus par son père et de l'alcoolisme de sa mère. La victimisation secondaire, c'est les proches, ce que vivent les proches quand ils ont à vivre avec un homme qui est agressé sexuellement. Alors, comme l'homme a de la difficulté dans la relation avec lui-même, avec les autres et avec la réalité, ça va se traduire dans son quotidien. En 1989, les parents de Patrick se séparent. Son père décide de revenir s'installer dans la grande région de Montréal. Quand il a quitté, là, lui était comme un rock bottom, là, en bas. Là, fait, fallait qu'il travaille sur lui-même. Fait que durant 7 ans, là, il a travaillé sur lui-même. Puis là, les enfants ont resté avec la mère.
sans autre forme d'autorité que celle exercée par une mère alcoolique. Patrick Bélanger grandit laissé à lui-même. Le fait qu'il n'y a pas été en communication avec son père, c'est tous des éléments là, qui a pu vivre, qui a pu développer. Ben, l'idée que lui, il n'était pas suffisamment important pour que son père le reconnaisse, pour pouvoir avoir une vie. C'est pour ça qu'il a développé beaucoup de mécanismes de survie. Probablement en lien avec une faible estime de soi, une faible image de soi. Alors, c'est comme s'il était victime de la vie, dans le fond. Patrick Bélanger n'a que 11 ans lorsqu'il commence à fumer de la marijuana et à boire de l'alcool. Ses premiers contacts avec ces substances marquent le début d'une descente vers de sérieux problèmes de consommation. Pour lui, sa vie, c'était la même que sa mère, t'sais. C'était prendre la drogue. Mais parmi tout, il était capable d'aller à l'école. Et puis même, il a fait des bonnes notes quand il allait à l'école. Mais c'est sûr que c'était difficile à cause que sa vie, c'était ça. C'était la drogue, sa mère, aller à l'école. Après 7 ans d'absence de contact avec son père, Patrick Bélanger, qui est maintenant âgé de 15 ans, décide de renouer avec lui. Attristé à la vue d'un fils refermé sur lui-même et consommateur de drogue et d'alcool, son père tente du mieux qu'il peut de le ramener sur le droit chemin. C'est sûr qu'à l'âge de 15 ans, il ne voulait rien savoir. T'sais. Il disait à son père, ben moi, je prends de la drogue, j'ai personne qui va m'en empêcher. Souvent, il disait, bon, on va faire une sortie, je t'emmène telle place, allez le chercher. Puis là, il était comme sous, fait qu'il disait, non, je t'emmène pas comme ça, tu sais. Fait que, puis Patrick, c'était un enfant, j'imagine, à cause de sa vie, qu'il gardait tout en dedans. Malgré son comportement, Bélanger poursuit ses études. Il a un grand potentiel et son père parvient à l'aider financièrement au cours de ses études collégiales. Un enfant qui était bien intelligent, parce que malgré tout, il est allé à l'école. Ensuite, il est très bon avec des numéros. À un moment donné, il avait appelé son père, puis il voulait prendre des cours. Son père lui a payé un cours dans la comptabilité. Il était bien intelligent. Il voulait comme s'en sortir. S'il a voulu prendre des cours, il a même pris des cours au cégep. Mais la drogue, l'alcool et les déménagements répétitifs de sa mère l'empêchent de s'organiser dans une routine constructive. Bélanger délaisse les bancs d'école pour se trouver de petits emplois et s'installe seul dans un appartement. Je travaillais juste dans les fast-foods, tu sais, les hamburgers, ces choses-là, tu sais, des restaurants comme ça. Mais après ça, juste pour assez d'argent pour consommer. Ça, c'était sa vie, était comme ça. Bélanger ne parvient jamais à garder un emploi longtemps. Quand il n'est pas congédié, il quitte de lui-même les postes qu'il occupe. En 2008, Patrick Bélanger a 26 ans et il n'a pas assez d'argent pour acquitter le loyer de son logement sur la rue Descaries à Montréal. Il se voit alors contraint de déménager chez sa mère, qui habite maintenant le même immeuble. Ses problèmes de consommation inquiètent son père et sa conjointe, qui tentent de lui venir en aide. Et on est allé voir Patrick, mais où il travaillait. Et puis, parce qu'il n'y avait pas de téléphone. Il travaillait, mais il nous envoyait la main seulement de la cuisine. Il n'était pas intéressé à venir nous parler. Mais à un moment donné, on est allé au restaurant, puis on a dit, tiens, on va rester ici tant que le restaurant ne ferme pas. Il n'y aura pas de choix. Et puis, exactement. Fait que là, quand il a fini, on est encore là. Il est venu nous voir, puis là, il s'est assis pour quelques minutes. Et puis, à ce moment-là, il dit, ben là, je vais marcher, je m'en vais chez moi. Puis j'ai dit, ben écoute, j'ai mon auto, je vais te reconduire chez toi. Même, il ne voulait pas. Bélanger refuse de s'ouvrir aux autres et de parler des problèmes qui l'accablent. Mais certains de ses gestes laissent croire qu'il ne demanderait qu'à sortir de la situation dans laquelle il vit. Il ne voulait rien savoir. Il dit, non, ça va me faire du bien, je vais marcher. Je dis, bien non, je passe devant chez toi, je vais te laisser là. Puis si tu veux marcher, ben
laisse tes affaires chez toi, puis après ça, promène-toi, tu sais. Fait que là, il se sentait comme qu'il est obligé, là. Fait que j'ai vu dans l'auto, on a parlé un peu. Et puis, quand il est sorti de l'auto, réellement, il m'a donné la main. Puis c'était une bonne main solide. Fait que je me suis dit, ah, je sais pas, là, j'ai senti quelque chose de bien, tu sais, qui m'a encouragé, moi. Mais lorsque Bélanger finit de travailler, il doit rentrer chez sa mère, dans un logement qui ne compte qu'une seule pièce et qu'elle partage déjà avec son nouveau copain. Ils consomment tous les trois beaucoup d'alcool et les engueulades entre sa mère et son conjoint sont fréquentes. Bélanger, lui, ne peut que ramasser les pots cassés. Patrick Bélanger, je vous dirais, a un caractère d'un individu tranquille. C'est dans un groupe, ce serait certainement pas celui qui parle le plus fort ou celui qui se fait voir le plus. C'est plutôt l'inverse. C'est quelqu'un qui a un profil un peu bas ou même neutre. C'est quelqu'un qui parle doucement, qui élève pas la voix. Il n'a pas un physique très imposant non plus. C'est pas quelqu'un qui est costaud de nature. Et donc, il a l'air de quelqu'un de tranquille et gentil. C'est vraiment l'impression qu'il donne. Patrick Bélanger est pris dans un engrenage néfaste pour lui, qui diminue une estime de soi déjà très faible. Un homme va rapidement flairer cette faiblesse et l'attirer dans son guépier. Élevé dans une famille dysfonctionnelle, Patrick Bélanger prend goût aux drogues et à l'alcool dès l'âge de 11 ans. Maintenant âgé de 26 ans, il est aux prises avec de sérieux problèmes de consommation. Il vit dans l'appartement que sa mère partage avec son copain. En janvier 2009, Bélanger fait la rencontre de Leonard Wells, un nouveau voisin de 63 ans. Deux générations les séparent, mais ils se lient rapidement d'amitié. Et même s'ils ne se racontent pas les détails de leur passé, les deux hommes reconnaissent avoir éprouvé des moments difficiles. En 2007, 2 ans avant son arrivée dans l'immeuble, Leonard Wells, un Ontarien, se retrouve à Montréal. Un an plus tard, en décembre 2008, il cogne à la porte de la mission Old Brewery. À la mission Old Brewery, nous avons les programmes variés, les programmes d'accompagnement qui aident la personne de sortir de l'état de l'itinérance. Après une brève entrevue, il est accepté comme nouveau pensionnaire dans le refuge pour hommes sans abri. Leonard est bel et bien itinérant. Mais il cache un autre problème bien plus grave. Il a un dossier chargé de pédophilie. C'est bien difficile à dresser un profil de pédophile parce que c'est très hétérogène comme population. C'est très difficile à déceler ça, à moins d'avoir accès à certains tests psychologiques, ou au moins que la personne nous dit qu'il est pédophile. Mais on n'a pas un profil, en dépit du fait qu'on a cherché depuis longtemps, en psychologie, en médecine, en psychiatrie, à trouver c'est quoi les caractéristiques qui définissent un pédophile. Leonard Wells accepte de suivre le programme de réinsertion qui vise à le sortir de la rue. Poli et discret, il est apprécié par les intervenants et autres participants. Monsieur Wells a été quelqu'un qui était très bien. Il était très poli, il était très calme. Durant tout son cheminement à la mission Aubrey, il n'a jamais provoqué aucun problématique quelconque. Il était quelqu'un, même qu'on dirait, très calme, très doux. À la fin du mois de décembre 2008, avant même que le programme de réinsertion ne soit terminé, Leonard décide de quitter le refuge. C'est différent pour chaque client.
Il y en a les clients qui vont passer quelques nuits, ensuite ils vont trouver un appartement et ils partent de chez nous. Il y en a d'autres qui auront besoin de plus de temps pour se stabiliser et pour déterminer leur propre piste de sort. Alors, nous ne pouvons pas dire 30 jours c'est adéquat ou 2 jours c'est adéquat ou même 3 ans c'est adéquat. Ça dépend de la personne. Dans le cas de M. Wells, c'était sa décision de partir. C'était pas le nôtre. Toutefois, quand il est parti, c'était correct. Nous avons su qu'il partait pour un appartement. Alors pour nous, c'était une réussite de nos programmes. En effet, Leonard trouve un appartement abordable dans les annonces classées du journal. Après avoir caché sa pédophilie aux intervenants de la mission Old Brewery, c'est dans cet immeuble que Leonard Wells commence une nouvelle vie où personne ne le connaît. La définition de pédophile en tant que maladie ou comportement, c'est une question qui préoccupe beaucoup de chercheurs. Et c'est sûr que l'hypothèse qu'un pédophile est malade, ça c'est une hypothèse qui est bien populaire autour d'une table avec des mononcles, puis on explique que quelqu'un a agressé sexuellement les enfants, il va dire « mais c'était une malade ». Mais de dire que c'est une malade, ça explique pas beaucoup de choses. Les premières infractions connues de Leonard Wells se produisent en Ontario en 1986, alors qu'il est âgé de 40 ans. Il est alors accusé d'agression, d'avoir produit des vidéos obscènes et de corruption d'enfants, un acte qui met en danger les mœurs d'un mineur. Les accusations sont lourdes, mais il se retrouve en liberté. Et malgré la gravité de ses gestes, il ne suit aucune thérapie qui l'aiderait à comprendre que son comportement est criminel. Si on veut que le pédophile accepte les responsabilités de ce comportement, il est auteur de ses comportements. Mais aussitôt qu'on se réfugie dans l'idée que c'est une maladie, c'est comme j'enlève une certaine responsabilité et c'est pas de ma faute. Et c'est exactement le contraire de ce qu'on veut chez les pédophiles, parce que dans un traitement, pour le traitement avoir le moindrement de chances d'être efficace, il faut que l'individu prenne la responsabilité. C'est juste. Tant aussi longtemps qu'ils disent « Je suis malade », il n'y a pas besoin de rien faire parce que c'est pas de sa faute. En 1994, Leonard est accusé d'agression sexuelle sur un jeune homme de 17 ans et fait face à une peine de 3 ans d'emprisonnement. Probablement dans l'unique but de réduire la durée de sa condamnation, il accepte alors de participer à un programme de traitement pour agresseurs sexuels. Les résultats ne sont cependant pas satisfaisants. Le risque de récidive est jugé trop important. Wells doit alors purger la totalité de sa peine. En 1997, à peine sorti de prison, Leonard Wells est à nouveau pris en délit. Il est cette fois reconnu coupable de contact sexuel sur un adolescent de 14 ans. La planification d'un crime sexuel contre un enfant peut être très variable en termes de l'énergie qui est investie là-dessus. C'est souvent des individus qui vont essayer de séduire leur victime, soit par l'alcool, ils vont offrir une bière ou deux, un petit jeune de 12-13 ans, qui a un effet assez immédiat sur l'enfant. Puis c'est aussi d'établir une relation, faire jouer des jeux vidéo, regarder la télévision. C'est probablement assez rare que le pédophile va agresser le premier contact. Ils vont inviter les jeunes dans son appartement, ils vont avoir certains jeux vidéo, ils vont peut-être prendre une bière, ils vont fumer un joint ensemble. Puis graduellement, lorsqu'il a confiance du jeune, il va proposer certains comportements qui amènent inévitablement à un abus sexuel. De nouveau remis en liberté, Leonard change sa façon d'approcher ses prochaines victimes. Si la pédophilie s'éteint avec l'âge, c'est bien difficile à savoir. Je pense qu'il y a un facteur d'épuisement. Il y a aussi une diminution dans la capacité érectile. Il y a une diminution dans la capacité de séduire une victime. Ça prend énormément d'énergie et de planification. Alors, on peut attendre à ce qu'il y ait une certaine diminution dans l'activité sexuelle de quelqu'un en vieillissant. Grâce à l'arrivée de l'Internet, Leonard Wells se bâtit une bibliothèque numérique de photos pornographiques de mineurs.
C'est très facile à bâtir une bibliothèque de pornographie juvénile. Surtout si vous avez des interactions sexuelles avec des enfants, vous avez juste besoin de prendre des photos de vos victimes puis commencer à le collectionner. Sûrement, on est capable de trouver à la bibliothèque certaines photos des jeunes aussi. Et aussitôt qu'on commence à établir des relations avec d'autres personnes qui sont intéressées par des jeunes, on peut avoir des échanges de photos. En novembre 2002, Leonard tente d'entrer aux États-Unis en franchissant la frontière américo-ontarienne. Mais des douaniers l'interceptent et découvrent le contenu illégal de son ordinateur. Cette fois, il écope d'une peine de 63 mois de prison pour possession de matériel pornographique juvénile en vue d'en faire la distribution. Leonard purge la première année de sa condamnation aux États-Unis avant d'être transféré dans une prison de Kingston, en Ontario. En 2007, après avoir purgé la totalité de sa peine, Leonard Wells quitte l'Ontario pour s'installer à Montréal. C'est là qu'il fera la rencontre de Patrick Bélanger. Bélanger n'est pas au courant des antécédents criminels de Leonard, alors que ce dernier ignore que le père de Patrick a été victime d'un pédophile. Mais le passé des deux hommes les liera à un destin au dénouement des plus tragiques. Au mois de janvier 2009, Patrick Bélanger, un homme de 26 ans, est aux prises avec des problèmes de consommation d'alcool et de drogue. C'est à cette période, dans l'immeuble de la rue Descaries où il vit, que Patrick fait la rencontre de Leonard Wells, un homme de 63 ans, qui cache son historique de pédophile multirécidiviste. Leonard semble attiré par Bélanger, qui a manifestement une faible estime de lui-même. Il découvre très rapidement l'appât qui lui servira à attirer Patrick Bélanger chez lui. La relation qu'il a développée lui permettait, dans le fond, c'était pour lui comme une relation de confort. Il était dans un type de relation qui lui était connu. Et cet homme-là, comme l'encourageait à vivre dans ses mécanismes de survie, puis dans le fond, à rien changer dans les façons qu'il avait d'être, de penser et d'agir. Alors, il a comme suivi le courant. Leonard n'a qu'à offrir à Bélanger une bière pour qu'il vienne chez lui. Est-ce que M. Wells utilisait l'alcool comme façon d'attirer Patrick chez lui? Peut-être, parce que M. Wells ne consommait pas beaucoup, alors que Patrick consommait beaucoup. Alors, c'est fortement possible. Durant les mois suivants, Patrick Bélanger se rend régulièrement chez Leonard Wells pour y boire de l'alcool. Bélanger suit la même routine qu'il fait depuis déjà quelques années. Il trouve un emploi temporaire dans un restaurant et finit ses journées à boire de la bière. Au début du mois de juillet, alors que la beuverie habituelle va bon train, Bélanger s'endort sur le lit de Leonard. Lorsqu'il émerge de son sommeil, Bélanger ne se souvient de rien, mais il remarque que sa braguette de pantalon est légèrement descendue. Les pédophiles peuvent avoir des relations sexuelles avec un adulte. Ils sont capables de le faire. Ils peuvent manifester même un certain niveau d'intérêt. Et c'est faux de croire qu'un pédophile n'a aucun intérêt envers les adultes. C'est une question de préférence. Lorsque Bélanger se retourne, il constate que Leonard dort nu à côté de lui. Incrédule, il ne peut s'expliquer comment il a pu se retrouver dans cette situation. Avoir vu consommer et qu'il y a des éléments où, bon, son pantalon est baissé et l'autre est nu à côté, peut se poser la question, est-ce qu'il m'a agressé sexuellement? Et ça peut devenir une question qui peut être extrêmement pénible. Parce que comme il y avait une relation qui semblait être une relation d'amitié, si on peut qualifier ça comme ça, qui s'était développée, c'est l'idée de, est-ce que j'aurais été trahi par une personne en qui j'ai confiance? Mais comme il n'y a pas de souvenir précis, ça devient une question qui peut amener un doute souffrant.
et à d'autres qui peut le ramener à dire, ben, je ne vaux pas grand-chose. Je suis, même comme adulte, on peut abuser de moi. Bélanger, qui n'a jamais oublié que son père a été victime d'abus sexuels, est très troublé. La journée que l'incident s'est passé, quand encore Patrick était chez lui, parce qu'il n'en a jamais parlé, hein, à M. Wells, de qu'est-ce qui s'est arrivé. Il n'en a pas parlé, je pense, dans sa tête, c'est peut-être comme, si j'en parle pas, c'est pas arrivé. Mais il l'a jamais affronté. Bélanger tente du mieux qu'il peut d'oublier l'événement. Et le 25 juillet, il se rend chez Leonard Wells pour l'aider à préparer son déménagement. Bélanger ne déroge pas à ses habitudes malgré la tâche qu'il doit accomplir. Il consomme une grande quantité d'alcool et son niveau d'intoxication est élevé, mais il continue à boire. Fatigué de remplir des boîtes, Bélanger veut prendre une pause pour utiliser l'ordinateur. Leonard, qui n'a jamais refusé son utilisation, accepte qu'il s'en serve. Bélanger s'installe devant l'écran sans but précis. Mais il trouve alors des fichiers dont il n'aurait pu imaginer l'existence dans l'ordinateur de Leonard. Et là, il a découvert de la pornographie juvénile dans l'ordinateur. C'est des photos là, très explicites d'enfants dans des positions sexuelles explicites. Des souvenirs de la soirée où il s'est réveillé avec Leonard nu à ses côtés et ceux de son père victime d'abus refont surface. Bélanger est sous le choc. Il ne peut croire que celui qu'il considère comme un ami possède des photos qui révèlent ses penchants pervers. Puis là, Patrick, ça l'a comme... Oh, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Puis plus que vu ça. Puis là, je pense, là, il a fait le lien que... Oh, qu'est-ce qui m'est arrivé? J'ai pas voulu le voir, j'ai pas voulu y penser. Ça doit m'avoir arrivé. Sans dire un mot à Leonard, Bélanger se précipite hors de l'appartement. Il appelle les autorités policières d'un téléphone public pour leur faire part de sa découverte. Il appelle la police. Vous devez venir ici maintenant chercher cet ordinateur. Vous allez trouver ça. Là, il est assez sénant. Il dit, là, j'ai peur que si je le vois, là, je ne sais pas qu'est-ce que je vais lui faire. Le répartiteur met Bélanger en garde. Le dossier sera traité plus tard par les policiers et il ne doit en aucun cas tenter de prendre les choses en main. Ce que Patrick Bélanger aurait dû faire légalement, c'est continuer ce qu'il avait débuté de faire ce soir-là. C'est-à-dire, il a téléphoné aux policiers, on lui a dit que c'était pas une urgence. Il aurait dû ou il aurait pu... chercher à s'approprier ou à conserver la preuve, c'est-à-dire ce qu'il y avait dans l'ordinateur, et il aurait pu le remettre à la police. Ça aurait été ce qu'il aurait dû faire, légalement parlant. Malheureusement, c'est pas ce qui a été fait, évidemment. 20 minutes plus tard, Bélanger rumine toujours. Fortement intoxiqué par l'alcool, il va demander des explications à Leonard. Il faudrait savoir qu'est-ce qui s'est passé dans son esprit, mais c'est parce que c'est comme à un moment donné l'idée de me venger. Quand il a appris que son père avait été agressé sexuellement, il a eu un désir de me venger. Je voudrais venger mon père. Mais bon, il s'est pas allé plus loin, là. C'est pas allé plus loin. Et c'est cette dimension-là. Alors, le passage, c'est-à-dire à un moment donné, c'est la sortie de la victimisation. Où il sort de la victimisation pour être capable comme de se venger, comme de se faire justice lui-même par rapport à ce qui a été fait. Il cogne à la porte, mais lorsque Leonard répond, Bélanger ne lui laisse pas le temps de s'expliquer. Il saute sur le vieil homme et lui donne 3 coups de poing qu'ils font basculer à terre. Enragé, il assène 3 coups de pied au visage de Leonard. L'homme perd aussitôt connaissance. Bélanger réalise la gravité de son geste et, sans perdre de temps, fait un deuxième appel au 911 directement du logement de sa victime. Il attend l'arrivée du policier à l'entrée du logement de Leonard.
Bélanger lui tend l'ordinateur pour qu'il récupère les preuves. Le policier ne tarde pas à découvrir que Leonard gît par terre sans connaissance. Il informe aussitôt la centrale de police et met Bélanger en état d'arrestation. Patrick Bélanger vient de se rendre justice en frappant violemment Leonard Wells à plusieurs reprises. Il est conduit au centre opérationnel ouest du SPVM, tandis que la victime est transportée à l'hôpital. Le sort de Patrick Bélanger dépend désormais de la survie de cet homme rencontré par hasard. Un sort que nul n'aurait pu imaginer. Le 25 juillet 2009, Patrick Bélanger attaque brutalement son voisin, Leonard Wells, qu'il considérait comme un ami, jusqu'à ce qu'il découvre une bibliothèque numérique de pornographie juvénile dans son ordinateur. Leonard Wells est immédiatement conduit à l'hôpital général de Montréal. Il est dans un état comateux suite à un traumatisme crânien. Patrick Bélanger est mis en état d'arrestation et passe la nuit en cellule au centre opérationnel ouest du SPVM. Des accusations de voies de fait graves sont portées contre lui. Mais il est libéré sous caution le lendemain. Il était évidemment très nerveux parce qu'il savait que M. Wells était tombé dans le coma suite à son arrestation. C'est lui-même qui avait téléphoné aux policiers, alors il connaissait très bien l'état de M. Wells au moment où il avait été arrêté. Et donc, c'était quelqu'un qui était un peu triste, je vous dirais, qui s'en voulait et qui était très nerveux. Le 13 août 2009, 20 jours après avoir été attaqué par Patrick Bélanger, Leonard Wells meurt dans son lit d'hôpital. Leonard Wells, en fait, il est tombé dans le coma après avoir été battu par Patrick Bélanger. Donc, il a été hospitalisé, puis est mort moins d'un mois plus tard. Le 20 août, Bélanger est remis en état d'arrestation. Il fait cette fois face à une accusation beaucoup plus grave de meurtre au premier degré. La réaction de M. Bélanger par rapport à son geste en est une de... Il est pas fier du tout. C'est plutôt la honte. C'en est une de honte, en fait, sa réaction. Parce qu'il a tué quelqu'un, et pour lui, qui est plutôt doux, gentil, qui élève pas la voix, alors que ce degré de violence-là se soit retrouvé en lui est quelque chose qui le surprenait lui-même et avec laquelle il était excessivement mal à l'aise. Et le fait de tuer quelqu'un aussi, ça l'atteint beaucoup. Patrick Bélanger est remis en liberté en attendant son procès. Il déménage alors près de chez son père. Il entreprend un programme de désintoxication et retourne aux études. Il fallait que je l'évalue et que je l'accueille en thérapie. Je travaille comme agent de liaison pour Freedom House, un centre de thérapie pour drogue et alcool. Parce qu'à la base, il avait un problème d'alcool. Tout ça est arrivé sous l'influence de l'alcool et c'est peut-être ce qui explique pourquoi une personne comme lui a agi comme ça. Je sais que c'est probablement ce que la Cour croyait. Je pense que de l'avoir laissé aller en thérapie voulait dire que le système avait compris qu'il n'était pas destiné à la prison. Malgré son repentir, le chemin de la réhabilitation s'annonce long et ardu. Patrick, je pense le fait qu'il était toujours dans le droit comme ça, il n'est pas mature comme une autre personne. T'sais. Il n'a pas de vécu. Hein. Il n'a jamais, comme dit, je travaille, je mets de l'argent de côté. L'argent, c'était juste pour survivre. Avec la drogue, c'était tout. La sincérité de Patrick Bélanger impressionne les intervenants. J'ai constaté qu'il était tout le contraire de ce que j'avais imaginé. Je m'attendais à une personne arrogante, à un gars de rue ou quelque chose du genre. Mais c'était l'inverse.
À partir de ce moment-là, je savais que sa place n'était pas en prison. Il était dans une période très vulnérable de sa vie. Il n'était pas endurci. C'était pas un dur. Et on pouvait voir qu'il était perdu. J'ai tout de suite eu de la sympathie pour lui. C'était une personne perdue. Il voulait juste que quelqu'un comprenne ce qui lui était arrivé. C'est tout. Bélanger tente de découvrir avec son thérapeute les raisons pour lesquelles il a agressé si violemment Leonard Wells. Il fallait qu'il comprenne ce qui l'a poussé à agir comme ça. Il fallait qu'il comprenne ce qu'il ressentait et pourquoi il le ressentait. Pour une personne aussi timide que lui, l'alcool a bien sûr diminué ses inhibitions, a créé le besoin de lui faire affronter la situation et tout a dérapé. Il a dépassé les bornes et a utilisé la violence au lieu de dire « Voici ce que tu es, voici ce que tu as fait, tu m'as blessé, je pensais qu'on était amis. » Mais il avait déjà dépassé cette limite, c'était plus fort que lui. Il n'y a pas eu de discussion, juste une réaction envers ce qu'il avait enfoui inconsciemment. Et c'est tout ça qui l'a amené à poser le geste qu'il a posé. Plusieurs personnes le félicitent d'avoir mis fin au jour d'un pédophile multirécidiviste. Mais cette gloire paradoxale est loin de mettre Patrick Bélanger à l'aise. Il sait que le geste qu'il a commis est très grave et ne prend pas ses réactions comme une source de déresponsabilisation. Patrick Bélanger semblait se diriger tout droit vers l'enfer de la drogue et de l'alcool avant le meurtre de Leonard Wells. Le repentir qu'il démontre suffira-t-il à susciter la clémence des autorités? Le 13 août 2009, Leonard Wells, un pédophile multirécidiviste, meurt des complications reliées au coma dans lequel il était plongé depuis qu'il avait été attaqué par Patrick Bélanger. En attente de son procès, Patrick Bélanger démontre une nouvelle volonté à se remettre dans le droit chemin. Pour Patrick, le fait que M. Wells est mort, lui, sa vie a commencé. Parce que là, sa vie, elle a changé, elle a commencé... c'était comme un wake-up, hein? Tu te réveilles, là, qu'est-ce qui se passe, là? Puis ça, c'est le début de sa vie. Parce que quand il est allé dans le rehab, là, on allait le voir, on lui parlait. Puis même à un moment donné, qu'est-ce que j'ai bien aimé, c'est que quand je le voyais, il me tenait des bonnes hugs, caresses. Tu sais, comme une mère, là. Puis je le voyais, là, quelque chose, je pense, que j'ai jamais eu, tu sais. Et puis, là, je deviens émotionnelle. Là, à un moment donné, il avait dit, je voudrais... il y avait un grand chien dans le centre de rehab, puis il dit, j'aimerais marcher avec chaque personne individuellement pour nous parler juste à nous, parce que là, on était toujours ensemble. Mais là, c'est ça qu'il m'a dit, qu'il appréciait le fait que j'étais là et que j'écoutais, puis que j'étais là, je lui donnais support. Ça, pour lui, c'était bien important. En janvier 2011, près d'un an et demi après la mort de Leonard Wells, le procès de Patrick Bélanger s'ouvre au Palais de justice de Montréal. Il plaide coupable à une accusation réduite d'homicide involontaire. Rend les représentations sur sentence, une étape qui permet au juge d'évaluer l'accusé. 8 personnes viennent témoigner en faveur de Patrick Bélanger. Les témoignages sont touchants, mais un meurtre a été commis. La juge qui préside la séance doit prendre une décision basée sur le Code criminel canadien. Bélanger reçoit beaucoup d'appui de son entourage durant les représentations. Alors que personne ne se présente en cour pour défendre les intérêts de Leonard Wells, qui, malgré son itinérance, avait tout au moins une sœur connue. Si la victime avait eu plusieurs représentations en sa faveur, qu'il soit pédophile ou non, ça aurait peut-être joué. Mais il n'y en a pas eu. Il n'y a eu aucune représentation non plus au niveau de la victime en termes de,
de membres de sa famille. C'est M. Wells, la victime, n'était pas quelqu'un non plus qui avait des personnes à charge et donc qui soutenait d'autres individus et ces individus-là à être pénalisés par son décès. C'est quelqu'un qui était seul et qui est mort seul, malheureusement. Le 28 mars 2011, les avocats des deux parties plaident devant la juge. L'avocat de Bélanger demande une peine de 3 ans, alors que celui de la couronne souhaite qu'on lui accorde une sentence un peu plus sévère. La couronne et la défense demandaient relativement une peine clémente, parce que même la couronne qui demandait 6 ans de prison, c'est pas beaucoup pour un homicide involontaire. Et le procureur de la couronne dans ce dossier-là, Thierry Nadon, il insistait sur le fait qu'une victime, c'est une victime. Donc, on ne peut pas, dans une société comme la nôtre, jouer au justicier, même si le crime, si la victime a commis un crime, et un crime grave, parce que la production, la possession de pornographie juvénile, c'est un crime horrible, une victime reste une victime. Le 21 avril 2011, la juge condamne Patrick Bélanger à une peine de 3 ans de prison. Elle a vraiment décidé de suivre la recommandation de la défense. Et quand elle a prononcé sa peine, immédiatement après qu'elle ait quitté le banc, l'accusé a serré dans ses bras, a pris dans ses bras son avocat, Julien Archambault. Et ça, c'est rare aussi, de voir autant un accusé aussi heureux de sa sentence, mais aussi heureux du travail de son avocat. Juridiquement, il n'y a rien qui mérite dans le sens d'une sentence plus clémente pour quelqu'un qui s'en est pris un pédophile ou à qui que ce soit. Je ne crois pas que c'est ça qui a fait en sorte que la sentence a été plus clémente. Ce qui a fait en sorte, selon moi, que la sentence a été plus clémente, c'est le parcours de M. Bélanger. Alors, la juge, lorsqu'elle a rendu sa sentence, a regardé essentiellement M. Bélanger. Et M. Wells, qui était décédé, c'est sûr que c'était un homicide involontaire, dans le sens où M. Bélanger n'a jamais souhaité tuer M. Wells. Mais ce qui a fait la différence, c'est le parcours, le cheminement de Patrick Bélanger, et non pas M. Wells et ses antécédents. Le 29 novembre 2011, après 8 mois d'incarcération, Patrick Bélanger se voit accorder une libération conditionnelle. C'est un jeune homme dont la vie allait nulle part. Et en prison, il s'est repris en main, mais de façon magistrale. Et ça aussi, c'est rare qu'on voit ça. Je pense pas qu'il soit le genre de personne à se vanter aux autres de ce qu'il a fait ou qui dirait « Il n'aurait pas dû me mettre en prison ». Il dirait plutôt « Vous savez quoi? Ça m'a appris que je ne peux pas faire ça. » Même si quelque chose de semblable se reproduisait, être en colère et causer du mal à quelqu'un, c'est pas la personne que je suis. C'est pas moi. C'est ce qui ressort chez lui. Et je vois pas comment les gens pourraient manquer ça. Il regarde la vie différemment. Là, c'est comme, oh mon Dieu, le ciel est si bleu. Oh mon Dieu, le manger goûte tellement bon parce qu'il y avait pas ça, tu sais. La vie, il peut pas même comparer. Fait que là, il y a un avenir. Là. Comme on lui dit, là, tu vas, t'aimes qu'est-ce que tu fais, puis tu vas pouvoir avoir un bon travail, tu vas pouvoir rencontrer quelqu'un. Parce qu'il s'est dit, ah, non, là, je veux pas rencontrer quelqu'un, là, j'ai trop de choses à travailler sur moi-même. Il voit l'importance de travailler sur lui-même. Fait qu'il dit, non, quand je vais travailler, là, je vais pouvoir mettre l'argent de côté, pouvoir... Il dit, là, je vais regarder de peut-être avoir une copine ou quelque chose comme ça. Le meurtre commis par Patrick Bélanger semble avoir été le seul exutoire pour lui permettre de commencer à vivre. Pourtant, se faire justice n'est jamais une option envisageable. Comme le pense Patrick Bélanger lui-même, il est impératif de laisser aux autorités compétentes l'objectivité des décisions à prendre. Si un tel drame se préparait dans votre entourage, sauriez-vous le voir venir ?